Bonjour, donc je suis Frédéric Marcos, directeur de programme autoconsommation et systèmes énergétiques locaux à EDF. La webconférence que nous vous proposons est en fait une série de trois webconférences consacrées à l'autoconsommation. La première webconférence permettra de faire le point sur le contexte juridique de l'autoconsommation, qui est un contexte qui vient de se construire, et les deux webconférences suivantes. D'abord, la première au programme d'autoconsommation individuelle. Et donc on présentera de façon un peu plus détaillée quelques exemples de projets d'autoconsommation individuelle, la façon dont ils ont été construits et quels sont les éléments importants à prendre en compte pour faire ce type de projet. Et puis la troisième webconférence aura trait aux projets d'autoconsommation collective, qui sont des projets beaucoup plus innovants puisque le cadre juridique est à peine constitué. Et donc nous pourrons partager sur la façon de travailler ces nouveaux types de projets et quels sont les points importants à valider et les points et les choses trappes à éviter. En fait, je pense qu'il est ce qui est important autour de l'autoconsommation, c'est bien de comprendre que c'est une bonne occasion de mettre en place un projet d'autoconsommation sur un bâtiment ou sur une zone. C'est une bonne occasion pour s'interroger sur ses usages, s'interroger sur l'efficacité énergétique de ces bâtiments pour que, au bout, on construise un projet durable, bien dimensionné et qui va permettre d'avoir une optimisation financière dans la durée de l'installation.